Bonsoir à toutes et à tous, salut YouTube. Nous allons passer à la troisième partie de Spider-Man The Lavie. Attendez, je lance The Lavie. Il est où mon téléphone? Je sais pas où il est. The Lavie. Pa 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 pa. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Alors, on va mettre en full par contre. En full. Tac. Pa, 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 pa. Patata. Pa, 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 pa. Il faut que je mette off sur mon. Attendez, je fais un truc vite fait. Bougez pas. Attends que le jeu se lance. Ne bougez pas. Je vais faire un truc. J'arrive, hein. Spider-Man, Spider-Man. Salut petit, retrouve-moi sur les quais à Hell's Kitchen. Ça marche. Qu'est-ce que je fais pour Finn? Je réessaie de lui parler? On pourrait se retrouver quelque part. Forum des sciences ou à Trinity Church. Non, elle sait que je lui ai menti. Elle voudra pas me voir. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Let's go! Quel plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Krieger, responsable R&D chez Roxxon Energy. Monsieur Krieger, vous avez vanté les mérites de vos réacteurs à Nuform, dont le premier sera bientôt mis en service à Harlem. Et pourtant, vous avez des détracteurs. Tout d'abord, Jonah, je tiens à vous dire que c'est un honneur et un plaisir d'être invité dans votre émission. Oh, vous allez me faire rougir. Et vous avez raison, nous rencontrons. Finn, Roxxon, l'Underground, ça fait un peu beaucoup. T'as 17 ans, t'es stressé et t'es un super héros. Sois pas trop dur avec... Attendez, je regarde la manette sur ce... Tu fais toujours du sang? Pas trop depuis que j'ai commencé tout ça. Il faut trouver son équilibre, c'est ça le plus important. Tiens. C'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on
on s'est embrouillé. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais, ok. Je dois faire quoi? Charge ça. Je vais te guider. J'ai placé des hologrammes pour te guider. Analyse la source. Des hologrammes? Tu piques mes méthodes? Allez, pense pas à Finn. Concentre-toi sur les sons, rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera à trouver les sons que tu cherches. Maintenant, essaie de retrouver le son de départ et sample-le. C'est pas ça. Continue. Tu dois t'approcher un peu plus pour ajuster les niveaux. Tes niveaux sont pas au point. Mais c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Par là. Tu dois t'écarter un peu pour pas qu'il y ait de distorsion. Et voilà. Ouais, c'est ça. Les autres sons que tu cherches sont disséminés à travers la ville. Je t'ai aussi laissé quelques messages pour t'aider à te familiariser avec les lieux. C'est énorme. Pas maintenant. Alors, t'as bien aimé? Ouais, il y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne? Où ça? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais... T'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi, exactement? C'était... compliqué. On était très proches, mais... très différents. Fini la mixtape, récupère les samples, et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche, merci. Ah, le bâtard! Waouh, j'en avais besoin. J'étais crevé.
Ok, j'appelle Finn. Dès que je suis prêt à décoller. Maman? Ganki? Y'a quelqu'un? Bon, bah, je suis tout seul. Maman cartonne. C'est obligé qu'elle gagne. C'est dingue! Cette télé doit avoir l'âge d'Abuela. Non, regardez là, j'ai pas vu. Mon matos a bien survécu au déménagement. Un niveau supérieur. Alors, j'ai une nouvelle tenue. Ah. Celle-là. Oh. Ah, pas mal. Et celle-là. Tenue Kuzuma. Lycée de Brooklyn. Ouais, elle est pas terrible. Hein. Faire celle-là, moi. Ah, elle est stylée, celle-là. Jamais de penser à l'image que vous véhiculez, à votre intégrité journalistique. Plus que certain. Parce que, pour un vrai journaliste comme moi, votre campagne, honnête, est atterrante. Atterrante. Vous devriez vous en prendre au jeune justicier inexpérimenté qui cause tous ces problèmes à Harlem. Quoi? Vous transformez tout ce que fait Spider-Man en acte de ma... Permis. Comme toi, mon pétro, Biden. Alors, lâche-toi, c'est. Arrête de bouger. Hop. Voilà, le quartier est un peu plus sûr. Oh, vous êtes de nouveau? Vous devriez... Ok, je dois appeler Finn, pourvu qu'elle réponde. Salut, Spider-Man. Finn, salut. Il faut qu'on parle. En personne. Pour que tu mentes encore? Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît, rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges, je te promets. Si tu te fous encore de moi... D'accord. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir, c'est déjà ça. Ok. Trinity Church. En route. Thank you.
Rex, j'ai des signalements concernant un hélico devenu incontrôlable. J'ai débloqué une nouvelle tenue là sur Spider-Man. Ah, je sais, là j'ai débloqué quoi? La tenue blanche et noire là. Blanche, rouge et noire. Il y a tout cette tenue. Là je fais une vidéo pour YouTube. Bonjour YouTube. Et j'espère Cyberpunk a vraiment le bouton streamer parce que. Sinon je vais dedans. Bah non, c'est pas possible, le jeu il est repoussé plein de fois, il peut pas être buggé. Ah bah y'a des bugs. À ce que j'ai compris, j'ai lu sur deux vidéos là, le jeu a des bugs. Non mais les gens ils sont jamais contents. Non, y'a des bugs, y'a des bugs de texture. Sur PC ou console? Les deux. Ah. Julien il a eu des bugs et Carole pareil. Non mais ils ont pas le patch Day One, c'est normal. Si si, ils ont le patch. Ils ont reçu une patch exprès qui a corrigé une partie des bugs du jeu et tout pareil. Soi-disant baron du crime. Apparemment, il vit comme un roi en prison, et sa cellule est plus confortable que l'appartement de Jared. Et pendant ce temps, ses avocats font appel de sa condamnation. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une... La backflip, là, j'ai fait. En effet, un article Daily Bugle révèle que les ruines de sa tour Fisk, qui doit être démolie dans le courant de cette année, ont été envahies par quelques squatteurs. Quelle ironie du sort de voir que ce bâtiment tape à l'œil, érigé par un homme qui s'est toujours cru au-dessus des lois, est maintenant pris d'assaut par des parasites. Ah, c'est trop bien quand tu fais des backflips là, quand tu sautes en l'air là. Je kiffe moi. T'as vu, tu peux faire la grande vitesse aussi en sautant avec l'éclair là. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir. Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Ce que Krieger a fait à Rick, Roxxon doit le payer. Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Moi aussi. Eh bien, cette Pourquoi tenue du pif. Mon père nous a emmenés. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens? J'ai adoré le Ghana. Y avait pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, non, je suis sûr que c'était le Ghana. Guinée, Belize, Pologne, Cuba. Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela. T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Oh là, y'a Rhino! Ah, c'est le Rhino amélioré là, putain! What? Mais il était pas mort, Rhino! Non. Pourquoi il a une armure rouge comme ça là? C'est quoi ce bordel? Bah,
Je vais rage quitte. Non, je rage quitte. Si t'écoutes bien le truc, qu'est-ce qu'il dit, tu vas comprendre comment le combat. Mais ça lui fait rien, l'éclair. What? Ah non, ça a une tenue rouge, je le protège. Ah le bâtard, il m'a mis HS. Il m'a mis KO. C'est vraiment un enfoiré son oncle. J'avoue que je suis déçu au grand. Krieger. Ouais. Il a été payé, je pense. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi. J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. Je me suis fait attraper là. Par Craig. Ah, je sais ce qui va se passer, il y a l'autre Spider-Man qui va arriver. Derrière le rideau. Il y a l'autre Spider-Man. Complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais, quand son frère et moi mettions au point le uniforme. Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire... C'était vendre les idées des autres. Au moins je respire encore, ma puce. Et il cherche un bruit, lui. Changeons de sujet, d'accord? Alors, pour commencer... Je... Waouh. C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. Vois-tu... Je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. T'es pour ce qu'elle a tué, le mec. C'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on peut pas ouvrir la tête. Oh, et servez-vous de lui. T'as Rhino, il est vénère. On va commencer sur le pont. Et sans caméra. Ah, les enfoirés. Ah, les bâtards. Mets-toi invisible! Vite! Wow! Putain, j'ai une technique spéciale! Excellent! Tu vas bien? Ils allaient te tuer! Ah, il est mal au point, ce. Miles! Putain! Merde alors! Je suis coriace, pas vrai? Faut qu'on trouve une issue. Roxanne a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. C'est dingue. Rien ne me surprend plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira, quand on sera dehors. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? Il nous faut un bon aperçu de la base, pour définir un plan. Et on regarde l'ordi. T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Si je trouve la source d'alimentation. Salut, toi. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. On doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont HS dans l'aile sud. C'est Rhino qui a dû les désactiver. Il paraît qu'il veut interroger les prisonniers. Je parie que le nouveau, là, il pourrait même faire parler Spider-Man. Je t'ai eu.
Il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir? Il y en a deux là. Non, il est trop bête, sans subtilité. Deux là. L'agent extérieur nous a donné leur position. Je vais demander... Là, pour être discret, c'est chaud dans ce jeu, quand même. Ouais. Conseil d'amis. J'ai remarqué. Il fallait me faire opérer, putain. Encore deux heures avant la relève. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Comment on fait déjà énergie pour tirer des fils? Ah, comme ça, voilà. Ouais, je sais plus. Cible blessée. On ne bouge plus! R2, Non, c'est ciblé et après. J'étais en poste à la Plaza. J'enchaîne les heures sup pour que ça ouvre la semaine prochaine. Plus besoin d'être délicat. Ils sont vénères. Je peux vous les changer? Lance une grenade. Tout à terre. Ça leur fait rien les éclairs. Il a sorti cette idée. Faut la tuer. C'est mieux quand tu fais combat à l'arrache, je trouve. Discret, c'est trop relou, je trouve. Commande où? Ah là. On dirait une collection d'archives. Je me demande. Hey, Roxxon vous vole vos affaires. Toi aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Merci d'ailleurs. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rino. Qu'est-ce qu'on répond? Le contact du RAFT crée un programme de réinsertion citoyenne. Tous agents que Rino fait. Quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça? D'accord. Je peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Ils devraient même pas être là. Hey, y'a Rino, putain! Je vais prendre que la fille. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose pour Miss Mason. Je veux dire, vous les avez capturés ensemble. Enfin, c'est toi qui les as eus, mais seulement grâce à tes infos. Alors, je crois qu'on tient le bon bout là. Tu as promis de laisser le petit tranquille. Oncle Aaron? Le petit. J'adore quand tu dis ça, ça fait... tellement paternel. Relâche Spider-Man. Et je te ramènerai ton uniforme. Des infos sur l'Underground. Tout ce que tu veux. Vous voyez? Un levier. Un faillite. Miles, Spider-Man! Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé à Rick Mason. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même cellule. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme qui t'étouffe. Je me trompe. Donc, nous allons voir Miss Mason et Spider-Man. Oula, il y a quelqu'un qui est en train de crever sur le Discord. Toi, tu ne sois pas invité à la fête. Voilà. Bye.
cause de lui qu'ils nous ont capturés. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais j'aurais pas cru qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter ? Non. Mais c'est pas logique, c'est rond pour courir, c'est pas logique. Je savais pas que ça allait arriver. Le rond pour logique et pour courir, c'est pas logique, Enery. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Je vais voir ce que je peux faire. Le panneau de maintenance. Je suppose qu'il faut aller. Ça doit être relié à un générateur. Un générateur, ah, juste là. Voilà, t'as l'électricité. Relaxé. Ah, je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines, comme celle creuse. Ça nous sera peut-être utile. Je vais regarder le reste. C'est ici qu'ils construisent des moteurs pour leur blinder. Faire quoi, là? Hey. Je peux faire descendre et monter cette grue. Ça t'aide? La grue est au-dessus de cette espèce de moteur maintenant. Cette espèce de moteur. J'ai une idée. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage? Ouais, je crois que je vois ce que t'as en tête. Tu peux redéplacer la grue? Comment je déplace la grue? Pourquoi je peux plus déplacer la grue? What? Non mais pourquoi je peux pas... Pourquoi je ne peux pas déplacer la grue? C'est quoi ce bordel? Je dois placer le moteur au-dessus de la chaîne de montage. Ah, j'aimerais bien si ça marche. Mais comment je l'avance ? Je comprends pas, c'est bugué ou quoi? Je bouge vers là, mais comment? Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, ce laser devrait activer le moteur. Ah merde, le laser a lâché. Je dois pouvoir rediriger le courant. Le laser a court-circuité, mais il marche toujours. Il faut une nouvelle source d'aline. Ah, ça bug ce jeu des fois. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais... Bordel. Ces connecteurs peuvent marcher. Je trouve de l'énergie. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Oh là là... Je pourrais lancer ces toiles sur ces connecteurs. Je pourrais alimenter le laser. C'est bon. Lance le laser. Et un laser. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau.
Ouais. Je sais comment pour le surcharger. À terre. Allons-y. On y est presque. Voilà notre sortie. Il me faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne ? Il n'y a qu'une seule issue. Ok. Je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Juste un truc. Mais pas des bugs. T'as jamais eu envie de m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man ? Ouais, c'est les petits bugs. Les gens, ils se plaignent tout le temps pour les petits bugs. C'est bon. Les bugs, quand même, qui... Dans mes parents, c'est Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Qui peuvent planer en dessous de ta tête. Je croyais que ça manquait. Bah, Ubisoft, c'est quoi ? Je t'avais, toi. Finn, ouvre-moi cette porte ! Oh, j'ai encore une vidéo à regarder. Elle va finir par lâcher ! Vas-y ! Je m'en sortirai, sauf toi ! C'est bizarre, ah oui, j'allais là. Chut, il faut que je me concentre. Putain, ils ont des trucs nocturnes. Avec des lumières sur leur casque ou des capteurs de chaleur. Détection. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Ouais, ils peuvent voir mon invisibilité. Voilà. Voilà. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Tant que je suis pas invisible, ils me voient pas, c'est ça ? C'est pas logique, mais pourquoi pas. Visible ou invisible, ils détectent. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, tes toiles retiennent la porte. Mais toute la base est en alerte, alors fais gaffe. Il y en a deux mecs. Cette base n'a qu'une seule sortie. Ils vont forcément passer. Ouais, c'est pas logique. Je me mets invisible, ils me voient. Je me fais pas invisible, ils me voient pas. Ah, il m'a vu. Sarkozy là. Ça fait des renforts. Je peux faire un max de bruit maintenant. J'attaque Spider-Man. Putain, il me repère. Ah, les bâtards. Genre, il enlève mon invisibilité. D'accord. Ils sont où ? Il y en a là. Écoute, je sais que tu me fais pas confiance. Ouais, je
je confirme. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Arrête de mentir. Et arrête de penser que j'agis sans réfléchir. Personne ne sera blessé quand je détruirai la plaza. Personne à part Roxxon. Tu sais qu'il le mérite. Écoute, promets-moi qu'on va en discuter, ok? Je t'écouterai, je te jure. Je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Mike. Tu préfères le perso la taper dans le vide? L'accepter maintenant. Pourquoi pas? Alors, je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo ou pour la chaîne de montage. À tout de suite. C'est bon, j'ai plus mis KO aujourd'hui. Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Je trouverai un autre moyen. Regarde, j'ai tous mis KO. En deux minutes. Si on prévenait les médias de la mort de Rick. T'as des preuves? Parce que je doute que les gens se laissent convaincre par deux justiciers. Il y a forcément un moyen. Ça je l'ai sorti. Ah! C'est la merde. C'est la main noire, comme on dit. Mais il reste qu'une barre de batterie, putain. Merci. Je connais cet endroit. On fait une petite vidéo, tant pis, la manette, elle est presque déchargée. Krieger a un labo? Tant pis. Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré. Bon, finis ça, je vais charger la manette. Labo Krieger. Attends. Toutes les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Merde! Ah, on a un autre cap qui prend, nickel. Voilà, chargé. T'aimes ma nouvelle couleur? À l'épreuve de tes petits zip-zap-zop. Zip-zap-zop? T'es sérieux, là? Maintenant, finis son temps! Ah, charge. Là, je combats Rhino, là. Occupe-toi de Rhino, je prends les gardes. On va faire un petit tour. Il faut qu'on frise son armure. Ah, faut détruire son armure, d'accord. Tu es un digne adversaire. Je t'offrirai une mort valable. Une mort valable? Oh, c'est le premier à deux, là, compliment. Comment le tape? Vous vous en sortirez jamais vivant. Ah, comment je peux l'avoir le Rhino là? En rien. C'est deux, hein? C'est trop facile. Ta petite piqûre ne peut pas traverser ma tenue. Crucifix des Spider-Man et Tinkerer. Ça, ça va plaire à Roxxon. Redescendez-le au sol. Non, mais comment tu fais pour tuer Rhino? Je comprends rien, là. Il arrive à m'esquiver à chaque fois. Ah, faut le taper, mais. Ça marchera faut pas! Le shot, il court dessus! Faites voir! Oui, tiens, c'est là, faut le choper! Non, il se met les yeux!
Après, ça devient un peu compliqué, mais... Mais il m'attrape pas, je sais pas ce qu'il fait, là. Je peux pas te dire. Je vais aller manger, je te le dis tout à l'heure. C'est bon, j'ai réussi. Il y en a tout. Je dois l'orienter vers ses tanks. Pour plus que ça abîme son armure. Dégage, Rino. L'arme de Roxxon est désactivée. Vas-y. Ça marche. T'es prêt pour les zip-zap-zap? Allez, dégage. Pas trop croiser un jour. La réalité.
Le sommeil, Alexei? Tu veux faire une sieste? Non, je ne sais pas. Sommeil. Il est dans les bas. Défonce-le. J'ai encore la force de vous battre. T'as même plus la force de t'enfuir. On va te finir en fait. Elle risque de les tripper. Au moindre bruit, je saurai où t'es fourré. J'avais tellement hâte d'affronter du directeur. Où est l'autre? Nous avons des ordres. Capturez Spider-Man. Trouvez-le. Allez, dégage! Il est nul, les rhinos! Attends. Surveillez-le quelques instants. Je reviens tout de suite. Les données de Krieger vont faire plonger Roxxon. Sans violence. Tu sais. Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Il m'a dit aussi que c'était ta faute. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger pour être dans les temps. Si Finn fait ce qu'elle avait prévu, c'est pas vrai. Harlem. Tu l'as regardé mourir. Sans rien faire. Non, non, non. Va en enfer. Ah, d'accord. J'ai besoin d'aide.
Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Miles, où tu étais? Pero qué pasó? C'est quoi ça? Il faut que je te dise quelque chose. Tu m'étonnes. Finn veut détruire la plaza. Ouais. Tu la poursuivais à travers la ville déguisée en... Spider-Man. Tu aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? On a toujours parlé de comment te protéger. Mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti, et moi, j'ai fait qu'empirer les choses. J'ai fini par te décevoir. Miles. Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Gloria s'occupe du Fist, et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton père. Fais attention à toi. Promis. Miles, je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci d'être là pour moi. C'est demi-chargé, ça va. C'est bon, on va laisser comme ça. Hé, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniformes. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Aucun problème. Merci. Je vais me dégourdir un peu les jambes et y aller. Niveau 14 déjà, putain. Alors qu'est-ce qu'on met? Ah, pas mal ça. Combien de jetons d'activité là? Oh! Tenue strike! Allez, stylé! 4 touches écarlate. Tenue dessin animé. Bah, c'est bien, j'ai pas tenu, Je suis en live. Je suis pas en live, je suis en vidéo. Alors. Ça, elle est pourrie. Ah, stylé celle-là! 14 jetons d'activité, il me faut. On va le faire, hein. 14 jetons d'activité, il faut. Les styles et celle-là. Ganki cherche Finn. On va le faire ça, là. On donne deux, là. Je voudrais jeter un œil à l'appli en attendant. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Mmh.
Barricadez-vous, les amis. La tant attendue tempête du siècle arrive. Et il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jameson Bacon, qui dure plus longtemps. Les voleurs ciblent les commerces de Harlem. Ça pourrait être les mêmes qui s'en sont pliés à la bodega de Théo. Oula. Tu vois, on fait ça, les gens, après je vais arrêter là. On fera la partie 4 demain. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Ah, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien. On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé ? Bien sûr, mais personne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où on se fournit. Je la retrouverai là-bas. Je me rendrai utile. Merci, Spider-Man. C'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Hey, Ganky. Je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb Sklinkel, c'est Palafuerte. Oh, j'adore Palafuerte. T'as goûté leurs arrêts passe? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouver les marchandises volées, qui les a volées, yeah. Et voir s'ils ont un lien avec le cambriolage de la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. J'ai dû le faire sur PS5 normalement, mais. Oh! Monsieur, il était stylé là. La police ? Qu'est-ce qui se passe ? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée ? Grâce à une caméra Oscorp. Camilla Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon Dieu ! Ils ont kidnappé Camilla ! Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... Milan ne sait pas laisser faire. Ça fait un sacré coup d'angle qu'ils l'ont emmené. Il a peut-être pris sa retraite et laissé New York entre les mains d'un gosse. C'est la définition de la retraite. Ça me paraît un peu irresponsable. Un ticket de parking à Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown? Killerman, vous êtes sur une scène de crime. Dégagez ou je vous embarque pour obstruction. Putain, ils m'ont embarqué. Vous faire plus discret, je crois. T'as entendu ce qui s'est passé avec le métro? Le nouveau Spider-Man a remis le métro en marche. Ah, il me barre le chemin. Il y a du nouveau? C'est dur. Je dois faire en sorte qu'ils s'en aillent. Un certain Caleb Ward a signalé des vols dans les quartiers nord. Ça pourrait être lié. En même temps, il se passe toujours un truc dans ce coin. Yes! Je peux examiner l'indice maintenant.
veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé, hey, tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair? Il y en a 12 à Manhattan. Il y en a un à Chinatown? Ouais, je t'envoie l'adresse. Message de Chinatown, une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Hey Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises? Ouais, les gars qui ont tout volé. Camilla a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappé. Quoi? Vous êtes sûr? Complètement. Je vais essayer de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci. Tortue givrée, j'ai fait. Polytrip. Laissez-moi partir, bande de brutes! Les flics! On bouge, vite! Non, non, non! Laissez Camilla partir! Je suis pas en train de rêver, là? Camilla est dans cette voiture? Ouais! Qui fonce dans Manhattan et qui va sûrement avoir un accident? Ouais! Oh non! Ah, ils sont en train de filer! Oh. Courage! Tenez bon, Camilla! Camilla! Tout va bien là-dedans! Bien, madame. Spider-Man, ah, je pensais pas que... Ah, mais ces hommes-là... Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, 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 je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. Tu les charges. Tu les charges. Tanky, Camilla est en sécurité. Elle a surpris ces types en train de voler les réserves. Ouais, il faut que je sauvegarde les gens. On va arrêter sur ça et on continuera demain. Merci de regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à la prochaine.